jolie avec votre petit pyjama. Écoutez, finalement, c'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit. Belle pyjama, oui, je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle parce que c'est la tenue de base d'un bébé, même d'un enfant. Moi, mes enfants sont en pyjama 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'ils rentrent de l'école, se mettent en pyjama. Oui, parce qu'il est 17 heures, tout va bien. Donc on interdit quand même le pyjama au repas, mais sinon, ils sont en tenue relax, comme ils disent. Oh, bah c'est bien, surtout par les temps qui courent. Oui, ça fait du bien. C'est comme notre bon vieux leggings. Exactement. Notre bébé va être en pyjama, comme dans notre bon vieux leggings. Il va le porter souvent tout petit. Alors, je ne sais pas s'il est votre régurgité beaucoup. Beaucoup. Voilà, donc on est en moyenne à parfois 4-5 pyjamas par jour. Surtout quand on a des couches explosivo-atomico-pourrites. Ça risque de salir un petit peu les pyjamas. Donc, on en prévoit un peu beaucoup pour la naissance, une taille naissance, allez pour les photos, mais sinon on peut partir directement sur du 1 mois, quitte à remonter un tout petit peu, retrousser un petit peu. Et encore, moi j'ai mon bébé, un mois ça lui allait juste quand il est né, donc il faut faire attention avec la taille. Donc la taille, voilà, on fait attention à la taille. L'idée c'est vraiment que si on tend les jambes de son bébé, qu'il ne va pas souvent tendre, au début il est un peu en poulet, eh bien on ne touche pas évidemment le bout. Donc sinon, voilà, il vaut mieux que ça soit un petit peu plus grand que trop petit. Oui, c'est pour ça. En tout cas. Donc comment est-ce qu'on va le choisir? Eh bien on va déjà faire attention à la forme du pyjama. Il en existe énormément, trois, en fait deux vraiment, et des petites innovations comme celle d'Aden et Anaïs, qui lui n'a carrément pas de jambes. Ah ouais ? Ben oui, parce qu'au début c'est quand même un tout petit peu relou de mettre les jambes de son bébé, on va pas se mentir, surtout quand ils sont tout petits. Donc là on a vraiment le body avec le col américain, donc qui est très très facile pour passer la tête de son bébé. Et puis on a le bas qu'on va juste tout simplement nouer si on le souhaite, pour fermer, et on ne s'enquiquine pas du tout à installer quoi que ce soit. Donc pour changer ça, son bébé. Ça c'est bien pour l'été. Voilà, ça c'est bien. Oui, ceux-ci sont vraiment très légers. La deuxième forme que je vais vous recommander, hop là, tu remballes. Pour les tout petits, c'est ce qu'on appelle, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-ci ou celui-ci, la forme en Y. Alors la forme en Y, schlack, vous le voyez, elle va permettre d'ouvrir complètement le pyjama. Total Pascal. Et du coup, ça va vraiment nous aider pour changer notre bébé. Surtout pour les tout petits qu'on a un petit peu du mal à manipuler. Vous voyez que là, on a l'ouverture encore plus grande. Oui, mais alors le bouton pression, si on met Paul avec Jacques, ou je ne sais plus quelle est l'expression consacrée. Lundi avec mardi. Voilà, lundi avec mardi, là. On doit tous retaper. C'est hyper pratique, mais il y a la contrepartie. C'est un petit peu plus long pour les changer. En revanche, avec des tout petits, on va préférer vraiment cette ouverture en Y qui est plus simple. Celle-ci, c'est une ouverture en T. Voilà, regardez, hop là. L'ouverture en T, ici à l'arrière. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'ouverture sur le devant. Donc elles vont être mieux parce qu'on va gagner vraiment du temps pour changer. Pourquoi ? Parce qu'on va ouvrir derrière, schlac, on va soulever, on va changer, on va remettre. En revanche, ça nécessite une mobilisation des hanches de son bébé. Donc c'est moins adapté aux tout petits. Donc vraiment Y pour les premiers mois. Et puis ensuite, on peut passer à la forme T. La forme, on a fait. Ensuite, on s'intéresse à la matière. Alors bien entendu, on va aller souvent sur du coton, agate, bien sûr. Alors évidemment, on peut vérifier qu'on a le petit Ecotex, c'est généralement mieux. Ça veut dire qu'évidemment, il n'y a aucun produit toxique pour son bébé. Ça, c'est chez Cadolis, par exemple, qui vous garantit évidemment d'avoir des matières de qualité. Mmh. Et puis, on va retrouver du coton, souvent biologique, un peu partout pour tous nos pyjamas. C'est ce qui permet que le bébé transpire le moins possible. C'est ça. Donc ça, c'est pas mal. Et le coton va évidemment se décliner, plus ou moins épais en fonction de la température, léger, un peu pilou-pilou pour l'hiver. Ça, c'est très sympa. Ensuite, eh bien, mes différents modèles, un petit peu sympathiques, comme le Maluna, si votre enfant souffre d'eczéma. Maluna, c'est une maman, donc il y avait une petite fille qui souffrait d'un eczéma, qui l'a démangé énormément, qui a créé ses pyjamas. Vous notez qu'ils sont donc là aussi en coton bio. Toutes les coutures sont à l'extérieur. Il n'y a pas de gratte-gratte à l'intérieur. Ah d'accord, oui, c'est ça, pas d'étiquette, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. La petite moufle aussi, vous voyez que les bras ne sortent pas. Ouais. Pour éviter que son bébé se gratte avec les petits ongles. Se griffe, oui, à la naissance. Exactement, voilà. Et puis, donc là, on a aussi un dos qui est renforcé, c'est-à-dire que votre enfant ne pourra jamais, je le referme, mais ne pourra jamais passer sa main derrière pour aller se gratter le dos. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment un body qui est réservé aux enfants souffrant d'eczéma. Et puis ensuite, le gros débat quand même sur le pyjama, c'est pied-papier. Oui, oui, c'est ça. Bon, alors moi, je dis, franchement, si vous trouvez des petits trucs, là, j'ai trouvé chez Manipani, magnifique, sans pieds. On peut y aller. Surtout pour l'été, là, c'est quand même bientôt. On est bien tranquille. En fait, dans la turbulette, c'est superbe. Dans la turbulette, on ne risque rien à ne pas mettre de chaussettes. Évidemment, si on sort de la turbulette, on peut enfiler des petites chaussettes. Il y a Lassig qui fait des pyjamas combi extraordinaires aussi. Regardez-moi, ça, c'est magnifique. C'est très doux, c'est un petit peu plus épais. Donc là, on va être bien. Et puis, si on veut, on se rajoute son petit peignoir également, de la même marque. Vous savez que je suis une passion. Oh là là, c'est trop joli, ça. J'ai une passion pour le petit peignoir. On va l'offrir à Benjamin. Gaz de coton. Benjamin, quand il a vu le peignoir, il a dit...
Oh, le peignoir, c'est la vie. Mais ouais, mais vous savez quoi, je me suis acheté exactement le même pour adulte. Ouais, ça, j'ai trouvé ça, j'ai craqué il y a pas très longtemps. Voilà, voilà, j'adore. Voilà. Je me suis dit, je le mettrais avec des shorts l'été, ouais, je serais là, je serais ma ceinture, je fastige. On sera bien. Ouais. Et ensuite, quand l'enfant va grandir, qu'il va commencer à être plus ou moins propre, on va pouvoir passer aux deux pièces. Alors aux deux pièces, je vous ai sélectionné Mathilde Cabanas, qui est superbe. Regardez-moi ces petites merveilles. Là aussi, on est sur de la gaze de coton. Moi, j'aimais bien le deux pièces pour bébé aussi, hein, parce qu'il y a juste le pantalon abaissé. C'est hein. ça, c'est pratique. Après, il y a le ventre qui risque de se découvrir. Donc à part qu'ils soient attachés. Voilà. Si vos bébés bougent pas mal, mais on peut aussi les attacher. Il y a souvent des petits dispositifs où on dans peut les mettre dans les très très belles marques. Oui, c'est vrai. Oui. On peut l'attacher. Ça évite que le pantalon ne glisse ou que ça remonte sur le ventre. Et puis ensuite, donc on a Verbaudet aussi qui propose. J'entends la petite musique. On m'a dit que c'est terminé. Il faut rendre les pyjamas, Marie. Verbaudet qui propose de très très jolies choses aussi pour les plus grands en deux pièces et donc avec ce système également qui s'affiche. Et puis Bray qu'on a présenté, qui lui vous propose des photos de confinement extraordinaires avec le pyjama bébé, le pyjama enfant et le pyjama adulte. Je trouve que le concept est vraiment très chouette. Ça fait des belles photos, par exemple, pour les faire part de naissance. Mais oui, c'est génial. J'ai vu des familles entières. C'est très, très chic, très joli. Voilà.